De Berouboué à Bembereke en passant par Gamia. Il fallait ça là pour que la population soit au courant de tout ce qui se passe. Surtout les paysans même ne savent pas ce que le gouvernement faisait. Il a fallu notre tournée là pour qu'ils sachent effectivement ce que le gouvernement fait. En effet, il fallait cette tournée pour que la population voie, comprenne et apprécie ce qui se fait pour eux dans le pays. Et cela, dans la 7e circonscription électorale, la délégation conduite par le général Robert Guyan a de manière organisée permis aux populations de mieux cerner les choses et même dans certains cas, de montrer qu'ils sont en avance. Au cours de la tournée, après avoir planté le décor, le général donne la parole à tous les autres membres de sa délégation pour qu'aucun secteur ne soit oublié. Et à tour de rôle, secteur par secteur, les actions du gouvernement sont présentées de manière explicite. La dernière ligne droite, qui est celle des arrondissements de la commune de Bembereke, dans la 7e circonscription électorale, vient une fois encore confirmer la légitimité de cette tournée des arrondissements. C'est un tour d'horizon, une tournée de données de recevoir, en principe. Et j'ai toujours dit, j'ai été agréablement surpris par la réaction des populations. Particulièrement ce matin à Berouboué, c'était des remerciements. C'était des remerciements. Et à Gamia, c'était l'apothéose à Bembereke ce soir. J'ai été particulièrement marqué par l'étape de Gamia, le retour que j'ai eu. C'est pas que les autres localités n'ont pas eu les mêmes retours, mais c'était particulier. Quelqu'un a pris la parole et il disait ceci. Il croyait qu'il délirait. Il dit les mots du Bénin, les tares du Bénin sont de trois ordres. Il dit les lenteurs administratives, la corruption, le gaspillage et troisièmement, la non-prise en compte des cultures vivrières pour les transformer. Il dit, ah bon? Il dit, un, la lenteur administrative, que tu allais trouver la solution à travers le RAVIP. Qu'avant, pour trouver un acte de naissance, un casier judiciaire, c'est la quoi la barrière. Et que tu allais trouver la solution. Il dit, le gaspillage, la corruption, que les détournements ont diminué. Je ne peux pas dire que les détournements ont disparu. Il dit avec ce qu'on appelle la criette, beaucoup de cadres ont peur de détourner. Et le gaspillage a diminué. Troisièmement, j'étais vraiment surpris, il dit, lorsque nous nous plaignons du soja, de l'acajou, qui ne doit pas sortir, qui veut sortir et qu'on empêche de sortir, il dit, mais c'est pas normal. Si l'acajou sort, le soja sort, les usines vont travailler avec quoi? Qu'un pays qui n'a pas d'usine est un pays qui ne peut jamais progresser. Et que pour cela, il demande à l'assistance de saluer Talon, que Talon est un développeur, que Talon est le président qu'il nous faut. Cette seule intervention de ce monsieur m'a séduit et je lui ai dit, j'ai pris la parole, j'ai dit que ça résume tout. On pouvait même cesser cette tenue de reddition de compte à travers les déclarations de ce monsieur qui a tout résumé. Qui pouvait croire que dans le Bénin profond, un citoyen aurait eu une telle compréhension des choses et soit aussi précis dans son explication en langue nationale? Et donc, au regard de ce constat, pour le général et sa délégation, s'il fallait juger l'action du gouvernement. Au regard de ce que j'ai assisté depuis la commune de Nik et de Kalalé, jusqu'aujourd'hui à Bembereke, si les populations devaient donner une mention, je dirais que c'est une mention très honorable. Très honorable parce qu'elles ont vraiment apprécié. Elles se sont retrouvées à travers ces réalisations. Elles étaient dans le besoin également. C'est-à-dire que vraiment, c'est une mention très honorable. Bon, évidemment, vous allez me dire que je ne dirai pas le contraire. Je suis un député de la mouvance. Je soutiens les actions du gouvernement. Je me suis promené, on s'est promené sur le terrain. On a vu ce que le gouvernement a fait. Sans chercher à tirer le drap de mon côté, je dirais que le gouvernement a une mention très honorable, j'allais dire. Une mention très honorable. Ça, c'est vrai. Je le dis du fond du cœur. Quand les gens disent pourquoi vous allez, pourquoi vous... Non, ces populations que nous défendons à l'Assemblée nationale et pas le contrôle d'action du gouvernement méritent qu'on vienne sur le terrain et voir que le programme d'action du gouvernement, lorsque les ministres sont interpellés, ils nous disent on a fait cela. Mais venez sur le terrain voir ce qu'on nous a déclaré lors du contrôle d'action gouvernementale. Si c'est vrai,
Est-ce un tort? Non, nous sommes venus et on a constaté que ce que le gouvernement a dit dans le cadre du programme de du gouvernement est en cours de réalisation. C'est vrai, il reste encore, le président Talon a encore environ deux années et beaucoup de choses seront encore faites. On a remarqué ça.